Jesus Christ. Sur toi. Nous ne servons pas un Dieu mort, nous servons un Dieu vivant, un Dieu de la délivrance, un Dieu de la restauration, un Dieu de la guérison. Reçois ta percée en ce moment au nom puissant de Jésus. Fire by fire. Yes, we don't serve a dead God, we serve a mighty God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah à tous. Bonne arrivée ce matin dans sur notre plateforme de intercession prophétique, la première heure. Hallelujah. Je suis tellement dans la joie ce matin. Je ne sais pas comment m'exprimer. Hallelujah. Je suis trop dans la joie parce que aujourd'hui c'est mercredi.
Et vraiment, il y a beaucoup de bonnes choses qui vont se passer. Et ça inclut des témoignages qui vont se passer vraiment dans cette journée de mercredi aujourd'hui. Alléluia. Voilà. Donc, vous êtes tous les bienvenus dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Shalom à tous. Shalom, shalom, shalom à tous ceux qui sont là actuellement. Alléluia. Si tu es béni par ce programme ce matin, il faut dire merci au Seigneur. Alléluia. Nous allons dire merci à Dieu pendant que vraiment on se dit aussi les bonjours, on se dit on se salue. Alléluia, alléluia. Bonjour, bonjour à tous ceux qui sont là actuellement. Vraiment que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia, alléluia. Je suis dans la joie parce que quand on me dit allons-y dans la maison de l'Éternel, sa paix m'environne. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, je suis dans la joie. Alléluia. Parce que quelqu'un va recevoir une délivrance ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un va recevoir une percée ce matin. Et que cette personne soit toi, que tu sois cette personne qui va recevoir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Nous te bénissons, éternel Dieu des armées. Allez, tu vas commencer à bénir son nom. Tu vas commencer à exalter son nom. Tu vas commencer à le magnifier. Tu vas commencer à le glorifier. Tu vas commencer à l'élever au-dessus de tout, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Zekabaya Shandabaya Santa. Quelqu'un maintenant même commence à élever le nom de son Dieu. Quelqu'un commence maintenant à élever le nom de son Dieu. Ouais, je veux que tu commences à vraiment parler. Vraiment, si j'étais près de toi, j'allais dire que ouais, je veux t'entendre parler. Alléluia. Alléluia. Zekabaya Santa. Rendeboya Sandeboye. Allez, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Pendant que tu dis merci à Dieu, il faut partager afin de pouvoir toucher un grand nombre de personnes. Alléluia. Ici, nous avons une alliance. Regarde, l'alliance que je vous envoie, l'alliance qui est là entre vous et cette onction qui est là. L'alliance qui est entre vous et ce programme. Pour le moment, c'est 20 partages. C'est ce que je vous dis. Partagez 20 fois. Et ça, c'est le minimum. Tu partages plus que cela. Ton minimum, c'est 20. Il faut le faire. Tu verras ce que l'Éternel va faire dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis dans la joie. Ce soir, il y aura encore un autre programme à 20h. Et le programme de 20h de ce soir sera spécial, un programme spécial dédié à quoi? À des témoignages des femmes qui ont conçu à travers ce programme. Elles sont aujourd'hui enceintes, elles vont accoucher. Et vraiment, c'est la joie. Nous allons célébrer ces témoignages et ces témoignages vont aider d'autres personnes qui ont vraiment, qui sont dans le besoin de concevoir un bébé actuellement. Alléluia, alléluia. Le Dieu que nous servons est fort. Il y a encore d'autres témoignages, les témoignages de cancer qui a disparu, les témoignages de coma qui a disparu, les témoignages de diabète qui a disparu, les témoignages d'hypertension qui ont aussi disparu. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Si tu es béni, faut écrire là. Tu écris dans ton commentaire, tu écris assez est assez. Bokaya Sanda. Écris assez est assez. Assez est assez. Parce que Dieu dit, regarde, tant que toi tu n'as pas eu la victoire, le combat n'est pas encore fini. Alléluia. Et ce qui est bon dans ce combat est que ce n'est pas toi qui se bats, mais c'est Dieu qui se bat à ta place. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rata kabaya. Alléluia, alléluia. Kerabaya santa. Randabaya sandebobo. Rendebo. In the mighty name of Jesus Christ. Merci éternel Dieu des armées. Merci Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia, alléluia. Alors, on va commencer à partager. On va commencer à partager. Tu vas commencer à partager. Regarde, Dieu que nous servons est un Dieu qui est fort. Le Dieu que nous servons est un Dieu de miracles. Regarde, je vais te dire une chose. Le Dieu que tu sais n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Alléluia. Dans les villages, dans les campements, dans les brousses, il y a des dieux qui ont été adorés, les petits dieux qui ont été adorés, les dieux de bois, les dieux de rivière, les dieux de marigots, les dieux de rochers, les dieux de montagnes, les dieux qui sont faits d'animaux, qui ont été adorés. Ça, ce ne sont pas des dieux, ça, ce sont des jouets. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Regarde, je te parle de ce dieu, celui-là qui a dit que ceci
soit et cela s'est manifesté. Je te parle de ce Dieu-là qui a ouvert la mer rouge dans la vie des gens. Je te parle de ce Dieu-là qui a dit que ta solution ce soir, que ta solution soit manifestée. Et ta solution s'est manifestée. C'est de ce Dieu-là que je parle. Alléluia, alléluia. Ce matin, il faut que quelque chose se passe dans ta situation. Assez est assez. Tu ne dois pas répéter l'histoire négative de la famille. Tu ne dois pas répéter l'histoire médiocre de ta mère. Tu ne dois pas répéter l'histoire négative de ton père. Non, assez est assez. Tu as ta vie à toi-même. Tu as ta vie à toi-même, ta vie qui t'appartient. Et tu dois vivre et expérimenter cette vie. Tu ne dois pas prendre les conséquences de leurs péchés. Tu ne dois pas prendre les défaites de leurs péchés. Tu ne dois pas prendre ce qui n'a pas reçu dans leur vie. Et toi, tu vas mettre ça dans ta vie. Non, ce n'est pas normal. Je ne suis pas d'accord avec cela. Je ne suis pas d'accord que moi, je vais répéter l'histoire de pauvreté de mes parents. Je ne suis pas d'accord que je dois répéter l'histoire de pauvreté de ma mère, de mon père, ou bien l'histoire de divorce, l'histoire de séparation, l'histoire de comment dire, loneliness, l'histoire de solitude des parents passés. Non, c'est pas normal. Ma vie est nouvelle. La Bible déclare que quand quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Ma vie est nouvelle. Je dois vivre de la nouvelle chose, des nouvelles choses. Il faut une manifestation positive dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Quelqu'un est là ce matin. Alors, est-ce que tu as fait 20 partages? Fais tes 20 partages dans ce groupe-là. Regarde, il y a plusieurs groupes. Il faut faire tes 20 partages dans ce groupe, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Randa baya sede bokesika baya sana. In the mighty name of Jesus. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Allez, bienvenue Julien Trabicale. Bienvenue à Rukiatu, Eric Bakala. Bienvenue à Faustine Jelou. Bienvenue à Alphonsine Ziga. Bienvenue à Louise Adam. Alléluia. Alléluia. Je peux dire vos noms que lorsque je vois ça sur mon écran. Et pour ceux qui sont sur autre de nos pages, si vous pouvez venir sur ma page. Ma page officielle qui est appelée Steven Irie Oracle. C'est ma page officielle qui est là. Et c'est là que je peux voir vos commentaires. Et c'est là que je peux communiquer avec vous. Alléluia, alléluia. Catherine Maïka, tu es bénie. Brigitte la Glorieuse, tu es bénie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le voile noir qui t'a couvert, ce voile noir sera ôté ce matin. Dans le nom de Jésus. Ce voile noir sera ôté ce matin. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là. Zekabaya Sandabaya Chata. Alléluia. Allez, fais tes partages. On n'est même pas encore quelque part. On n'est pas encore arrivé à quelque part. Il faut faire tes partages. On va atteindre ce nombre de personnes. Alléluia. Que nous voulons envoyer au Seigneur. Ce nombre de personnes que nous voulons aider. Alléluia. Il y a plusieurs personnes qui vivent les mêmes situations que vous vivez actuellement. Et si vous partagez les. Si vous partagez la vidéo et que la solution vous est donnée par rapport à votre situation, ces personnes aussi vont bénéficier. Et quand ces personnes vont bénéficier, ce que vous avez fait sera considéré comme quoi? Une semence dans la vie de ces personnes. Alléluia, alléluia. Sandra, 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 tu es bénie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nous sommes dans nos grands programmes. Le programme est là et on continue le programme de jeûne de 21 jours. Alléluia. Le programme, le titre du programme, c'est quoi? Briser les fondements négatifs. Alléluia, alléluia. Alors, briser les fondements négatifs qui a été divisé en trois groupes. Il y a, parce qu'il y a trois semaines, donc on a divisé en trois groupes. Le premier groupe, on a parlé de quoi? On a parlé des malédictions héréditaires. Les malédictions héréditaires, ça c'était la semaine passée. Alléluia. Alors, cette semaine, nous sommes en train de parler de quoi? Des autels ancestraux. Alléluia. Maintenant, sous les autels ancestraux, il y a des sous-thèmes, les sous-sujets. Alléluia. Aujourd'hui, on a un sujet différent. Alléluia, alléluia. L'Éternel, Dieu des armées, il n'y a personne comme toi. Regarde, on a parlé, le premier jour, on a parlé de l'esprit de la vallée. Et on a aussi parlé de
hier, on a parlé de l'esprit du rond-point. Alléluia. Aujourd'hui, on va parler de l'esprit de voile noir. Le voile noir. Regarde, Satan a des stratégies qu'il utilise. Et si tu ne connais pas les stratégies du diable, tu peux facilement tomber sous son emprise. Tu peux facilement tomber sous son autorité. Tu peux facilement tomber sous son contrôle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me saisit? Dans le nom de Jésus, reçois ta percée. Agnès Akua, reçois ta percée. Maka, évangéliste Maka Boisi, reçois ta percée. Alléluia, alléluia. Kassa Manager, reçois ta percée. Dans le nom de Jésus, la percée qui a été bloquée pendant longtemps, que cette percée soit débloquée. Dans le nom de Jésus, reçois ta percée ce matin, Alphonsine. Reçois ton témoignage ce matin, Alphonsine. Reçois ton témoignage ce matin, Elali Zébier. Dans le nom de Jésus-Christ, Elali, Elali. Écoute-moi, regarde très bien. Regarde, la limitation n'est pas ta portion. L'humiliation n'est pas ta portion. Le célibat n'est pas ta portion. Le rejet n'est pas ta portion. Elali, Elali. Cette année, on parlera en bon de toi dans le nom de Jésus-Christ. C'est que l'ennemi avait déjà planifié les programmes de l'ennemi, les programmes, les projets, les réalisations du diable contre toi seront sans effet dans le nom de Jésus. Je te parle en m'arrêtant sur la parole de Dieu qui est déclarée dans le livre d'Ésaïe chapitre 54 au verset 17. La Bible déclare que les armes qui sont forgées contre toi seront sans effet. Je parle à Elali et je parle à ceux qui se retrouvent dans la même situation que Elali. Alléluia, alléluia. Les armes qui sont forgées contre toi seront sans effet. Les armes de négativité, les armes pour te rendre, les armes pour te détruire seront sans effet dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un me regarde en ce moment? Tu n'as pas encore partagé. Alléluia. Zekabaya sande bobo. Ritsa kababaya sanda. Rande baude reboko su kabaye shende. In the mighty name of Jesus Christ. Alléluia. Il faut partager nos vidéos dans le nom puissant de Jésus Christ. Alléluia. Zekababaya sanda. Rindebo. Awande babo ya sotoko rindibikishita. Alléluia. Regarde, les partages ont diminué. Partage jusqu'à ce qu'on te dit que tu as trop partagé. Vu ce que Facebook te dise que tu as trop partagé. Minimum 20. Faut pas rester là. Et c'est vrai que je peux pas voir et savoir combien de partages tu fais actuellement. Seul Dieu voit. Et je te dis que l'alliance entre toi et le programme, c'est toi tes partages. Et moi, je te donne les paroles. Moi, je te donne la prière. Je te donne les prophéties. Toi, tu partages. Et Dieu se manifeste. Alléluia, alléluia. Zeka baba ya sanda. Rendebo, si kababa ya sendebo, boko si kababa ya sanda, rendebo, merci éternel, Dieu des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, sois honoré dans la vie de celle-là qui regarde actuellement, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, alléluia, rata kabaya sata, la nuit dernière, sinon ce matin bonheur, j'étais en train de prier et Dieu me révèle une chose, qu'est-ce qu'il me révèle? Il me révèle des réunions qui ont été faites, des réunions qui ont été faites, et il y a des réunions qui étaient en train d'être faites par rapport à ton cas, alléluia, par rapport à ta situation, et ce ne sont pas des bonnes réunions, des réunions pour te déstabiliser, des réunions pour te retarder, des réunions pour t'envoyer en arrière, des réunions pour te limiter, des réunions pour te faire dévier, alléluia, alléluia, ce n'est pas ta portion, tu ne dois pas porter la maladie de la mère, tu ne dois pas porter la maladie du père, tu ne dois pas porter cette maladie qui est à travers les liens parentaux, les liens familiaux, les liens ancestraux. Je détruis ces liens dans le nom de Jésus. Je découpe ces liens dès ce matin dans le nom de Jésus. J'annule cela maintenant au nom de Jésus. Radebo ke sakabaya sanda, rendebo kosi kababa, rendebo yoso ke baya shende, randaba yeshi debo yosondo, rendebo. In the mighty name of Jesus Christ. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Rendebo ya sandaba ya sande bobo. Randababa ya sendebo ya kandele ya kanda. Alléluia, alléluia. Merci éternel Dieu des armées. Merci Jésus. Toutes les langues qui se lèvent contre toi, je les condamne ce matin selon la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, les malédictions qui ont été lancées contre toi, je les ramène à l'envoyeur ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, les langues enflammées du diable
diable venant du gauche, venant de la gauche, venant de la droite, dans le nom de Jésus, je les fais éteindre ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que tu me regardes ce matin, la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Pendant que tu me regardes ce matin, la grâce de Dieu se manifeste dans ta maison, dans le nom puissant de Jésus. Rakabaya Sada. Moi, je fais mes partages. Alléluia. Zekeboya Sendeboya Sendebo. Randa Baba Yasada. Éternel, Dieu des armées, restaure. Restaure, restaure, restaure. Restaure, restaure, restaure. Darfon, Patricia. Restaure, restaure, restaure. Seigneur, restaure ses vies dans le nom de Jésus. Restaure ses vies dans le nom de Jésus. Rakabaya Sanda. Rendebo Kosi Kababa. Rendeboria Dabaya Shanda. Rente Poka Sanda Baya Shanda. In the mighty name of Jesus Christ. Il n'y a personne comme et toi. Alléluia. Là où le sorcier a travaillé, je vais, je descends là. Le feu de Dieu descend dans ce lieu maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout ce qui a été fait par le sorcier, tout ce qui a été fait par l'ennemi, tout ce qui a été fait par les malfaiteurs soit complètement annulé. Est-ce que quelqu'un peut partager la vidéo? Dans le nom de Jésus de Nazareth. Ratakabaya Sata. Alléluia, alléluia. Je suis dans la joie ce matin parce qu'on me dit allons à la maison de l'Éternel, là où il y a la victoire, là où il y a la guérison, là où il y a l'enfantement, là où il y a la restauration, là où il y a la délivrance, là où il y a le voyage, là où il y a le mariage, là où il y a tout ce qu'il faut pour avancer dans cette vie, dans le nom de Jésus. Je suis dans la joie. Merci Éternel Dieu des armées, merci Roi des rois. Est-ce que quelqu'un peut faire nos partages ce matin? Rakabaya Sendebo, Rende Baba Yasanda, Rande Bori Yadaba Yasanda, in the mighty name of Jesus Christ. Father, we give you the praise. There is no one like you. Hallelujah, hallelujah. Il n'y a personne comme notre Dieu. Il n'y a personne comme notre Dieu. Nul n'est comme toi. Hallelujah. Personne ne peut être comme ce Dieu que je sers. Alléluia, alléluia. Il déclare et sa déclaration s'exécute. Est-ce que tu as une fois réalisé quelque chose? Que Dieu déclare et sa déclaration s'exécute. Tu as une fois réalisé cela. Alléluia. Il dit et ce qu'il dit arrive à son accomplissement. Alléluia. Zekababaya Sata. Rendeboyo Soto. Il dit et sa parole s'accomplit. Il dit que ceci soit et cela s'est manifesté. Dieu dit que la terre sorte de l'eau. Écoute-moi bien. Et la terre est sortie de l'eau. Dieu dit que l'eau qui est en haut soit coupée de l'eau qui est par terre, qui est en bas. Et ça s'est passé. L'eau qui est en haut s'est arrêtée. Et l'eau qui est en bas aussi est arrêtée. Écoute-moi bien. Dieu dit que la terre soit couverte de verdure. La terre ne pouvait seulement que obéir à ce que Dieu a dit. Alors la terre s'est couverte de verdure. Dieu est fort. Ce qu'il dit arrive. Est-ce que tu sais ce que je vais te dire? Maintenant, alléluia, j'ai dit que tu es le prophète et la prophétesse de ta vie. Alléluia. Dieu dit et ce qu'il dit arrive à son accomplissement. Et Dieu t'a créé à son image. L'une des images de Dieu, c'est de parler et de créer par la parole. Donc si Dieu crée par la parole, toi qui es à l'image de Dieu, tu peux aussi créer par la parole. Voilà pourquoi tout à l'heure tu vas prophétiser dans ta vie. Mais avant d'arriver à là, Dieu a dit que la terre soit. Ce matin, il dit que ton mari soit. Ah, je parle à des foyers qui sont actuellement en train d'être brisés. Je parle à des femmes actuellement qui sont en train de prendre de l'âge mais qui ne sont pas mariées. Je parle actuellement à des relations qui sont vraiment devenues difficiles. Dieu dit que ton mari soit. Dieu dit que ta femme soit. Je vais parler à des femmes qui veulent concevoir. Dieu dit que ton ventre puisse concevoir et que tu deviennes une mère. Je vois trois femmes qui me regardent actuellement. Quatre femmes qui me regardent actuellement. Vous aviez eu des enfants ou bien un enfant. Ça dit que vous êtes quatre là. Mais maintenant que vous voulez avoir un autre enfant, tout est bloqué. Dans le nom de Jésus-Christ. Mon Dieu dit, il faut que vous expérimentez la joie d'une nouvelle mère encore. Oh, il a prophétisé. Donc, l'enfant revient dans ton ventre encore dans le nom de Jésus. Faut partager. Faut partager. Faut pas t'arrêter là. Partage.
Alléluia, alléluia. Alors voilà ce que nous allons faire rapidement. Tu vas commencer à prophétiser dans ta vie. Tu vas commencer à prophétiser dans ta vie. Je suis le premier, je ne suis pas le dernier. You're going to start prophesying in your own life. I am the first, I am not the last. I am above, I am not beneath. Je suis en haut, je ne suis pas en bas. Je suis le premier, je ne suis pas le dernier. Je suis en avant, je ne suis pas en arrière. Allez, commence à prophétiser dans ta vie. Pella, Sophia, Bamé, commence à prophétiser dans ta vie. Wendy et Matteo, commence à prophétiser dans ta vie. Rita Zadi, commence à prophétiser dans ta vie. Kobena Kra, commence à prophétiser dans ta vie. Louis Adam, begin to prophesy in your own life. G. Roland Samir, commence à prophétiser dans ta vie. Irène Zokli, commence à prophétiser dans ta vie. Hey, Miss Beraka, ma fille, je suis trop fier de toi. Avec tes petits business que tu es en train de faire actuellement. Regarde, Miss Beraka, prophétise dans tes business. Prophétise dans tes affaires. Prophétise dans tout, prophétise dans ta relation, prophétise vraiment dans ton aventure. Alléluia. Léa Edwige, prophétise dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Prophétise dans ta vie. Béatrice Yao, prophétise dans ta vie. Prophétise dans ta vie, prophétise. Il faut parler. Quand on dit de prophétiser dans ta vie, c'est-à-dire que tu dis des bonnes paroles sur toi-même. Alléluia, parce que regarde, la mort et la vie sont au pouvoir de tes lèvres. La mort et la vie sont au pouvoir de ta bouche. Ce que tu dis de ta bouche, c'est ce qui se réalise dans ta vie. Regarde, il faut partager, il faut partager, il faut partager, il faut partager. Dans le nom de Jésus-Christ, Rakabaya Santa, est-ce que quelqu'un peut nous aider? Quelqu'un peut nous aider? Quelqu'un peut partager nos programmes ce matin? Dans le nom de Jésus, partage afin de pouvoir toucher un grand nombre de personnes. Chaina Jibes, tu es bénie ma fille. Alléluia, il faut partager. Et puis, regarde, prophétise dans ta vie. Je prophétise que cette année, je vais me marier. Je prophétise que cette année, ma guérison est déjà là. Je prophétise que j'ai une promotion dans ce boulot. Je prophétise que même si cette compagnie se ferme, moi, j'aurai un nouveau boulot. Est-ce que quelqu'un peut parler? Quelqu'un peut prophétiser dans sa vie? Alléluia. Léa Edwige, prophétise dans ta vie. Ne t'arrête pas. N'attends pas à ce que le prophète parle dans ta vie. Alléluia, il faut prophétiser. Il faut arriver à prophétiser. Il faut parler dans ta vie. Il faut dire des paroles positives dans ta vie. Il faut commencer à dire des bonnes paroles sur toi. Et aussi commencer à faire la bagarre spirituelle contre tout ce qui se manifeste contre toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut partager nos vidéos? Quelqu'un peut partager nos vidéos. Dis Roland Samien, j'ai une bonne parole pour toi. L'Esprit me dit de te dire. Et encore 13 jours. L'Esprit me dit de te dire. Guy Roland. Guy, c'est ça non? C'est ça non? Dis Roland, Guy Roland. Alléluia, c'est pas si c'est comme ça on prononce ton nom. Mais l'Esprit me dit de te dire. Et encore 13 jours, pardon. Je dis 13, je dis ça en anglais. Encore 13 jours, alléluia, et tu verras la main de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe, quelque chose auquel tu t'attendais et ça ne s'est pas manifesté. Comment tu as voulu que cette chose se manifeste? Mais l'Esprit me dit ce soir, ce matin, bonheur, l'Esprit me dit de te dire que, et encore 13 jours, et tu verras la main de Dieu dans tes affaires. Alléluia, alléluia. Encore 13 jours, et tu verras la main de Dieu dans tes affaires. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, Dieu d'Abraham, merci pour ta grâce dans la vie de Chaina Jibes. Merci pour ta grâce dans la vie de Chaina Jibes. Alléluia, alléluia. Zekabaya Santa, Brendebo. Envoyez des cœurs, envoyez des gemmes et partagez. Envoyez des cœurs, envoyez des gemmes et partagez. Commentez avec vos sujets de prière, commentez avec vos prophéties, commentez avec vraiment les amen, commentez avec les assez est assez. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Zetabaya Sanda Baya Sanda. Rende Bobo Yossi Kabaya Santa. In Jesus' mighty name. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Voilà, Léa Edwige,
Elle dit, je prophétise que cette année, j'aurai un mari que le Seigneur a choisi pour moi. Je prophétise la guérison. Attends, je vais lire sa prophétie. Je prophétise la... Oh, c'est déjà parti. Alléluia. Doris, Doris Lemnin, tu es béni dans le nom de Jésus. Oragabaya Sata. Je prophétise, Mireille Douania, je prophétise que je suis guéri. Regarde, les prophéties que vous êtes en train de faire, monsieur le prophète, madame la prophétesse, vous allez voir la manifestation positive dans votre vie. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Proverbes chapitre 18 au verset 21 que la mort et la vie sont au pouvoir de ta bouche. Alors, si tu dis je suis béni, tu es béni et tu verras la bénédiction se manifester. Tu verras la bénédiction se matérialiser dans ta vie. Et si tu dis à un sorcier, toi sorcier de ma vie, tu meurs. Si tu veux que moi je meurs, toi tu meurs d'abord. Tu verras cette manifestation dans leur camp, dans leur situation. La mort et la vie sont au pouvoir de ta bouche. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un me regarde ce matin? Seigneur, merci, nous te bénissons. Nous t'exaltons. Nous te levons au-dessus de tout. Nous te glorifions. Il n'y a personne comme toi. La Bible aussi dit dans quoi? Dans le livre de Proverbes, chapitre 23, au verset 7. La Bible dit, ce que tu penses, c'est cela qui se manifestera. Ce que tu penses, c'est la manière dont tu penses que tu seras. Alléluia. Comment est-ce que tu penses ce matin? Quelles sont tes pensées ce matin? Rukiatu, quelles sont tes pensées ce matin? Elle dit, mes enfants sont bénis. Alléluia. Sois restauré. Alléluia, alléluia. Merci, Éternel, Dieu des armées. Agnès, à quoi tu es béni? Léa, Edwige, tu es béni. Alléluia. Je vois un problème de rêve. Un problème de rêve. Rêve négatif. Quelqu'un me regarde actuellement et tu as des problèmes de cauchemar. Ce n'est pas normal que tu sois poursuivi dans tes rêves. Ce n'est pas normal que tu fasses l'amour dans tes rêves. Ce n'est pas normal que tu manges et bois tout dans tes rêves. Ce sont des poisons. Dans le nom de Jésus, reçois ta liberté. Reçois ta délivrance. Je vois quelqu'un qui me regarde actuellement. Ta maison est en train d'être brisée. Ta relation est mélangée. Reçois ta guérison. La guérison dans la relation. Reçois ta restauration. La restauration dans cette relation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La vie sentimentale d'une jeune dame. Son nom commence par D. Il y a D qui est au commencement de ton nom. Ta vie sentimentale est mélangée. Ta vie sentimentale est attaquée dans le nom de Jésus. Avant même de prier, je vais te dire où est-ce que cette situation est en train de quitter. La situation ne vient pas de loin. Ta vie sentimentale est mélangée. Ton nom commence par D. La situation ne vient pas de loin. Ça vient du côté maternel. Voilà pourquoi je me lève ce matin contre tous les autels de Baal dans la vie du côté maternel et je les renverse by fire, by thunder. Je vais contre les malédictions héréditaires venant du côté maternel et je les taille en pièces ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Dieu a sa main dans ta vie. Dieu a sa main de faveur sur toi. Ce que tu as commencé, tu vas terminer. Tu ne vas pas commencer les fondements, les fondations. On dit fondation, mais fondation, non. Voilà. Tu ne vas pas commencer la fondation d'un bâtiment et puis tu vas abandonner. Non, ce n'est pas normal. Ceci n'est pas ta portion. Cette affaire que tu as commencé, je prie pour toi, va jusqu'au bout. Ce programme que tu as commencé, je prie pour toi, va jusqu'au bout. Toi qui me regardes et qui a les mêmes problèmes de sentiments, dans le nom de Jésus, reçois ta liberté, reçois ta guérison, reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Quelqu'un me regarde actuellement, tu es découragé. Même ta vie de prière, tu es aussi découragé. Alléluia, lève-toi.
Lève-toi. As-tu une fois vu un soldat qui va en guerre et puis il n'a pas des armes? Il dit non, je ne vais pas utiliser les armes, je vais partir comme ça. Je suis trop découragé des armes, je ne vais pas les utiliser. Non, c'est un soldat qui va mourir même avant de commencer la guerre. Est-ce que tu entends ici? Ne sois pas fatigué. Ne sois pas fatigué de la prière. Il faut toujours prier. Il y a plusieurs manières de prier. Ce n'est pas toujours on parle. Tu peux parler dans ton cœur. Et ce n'est pas toujours même le fait de parler. Tu peux chanter, tu peux louer, tu peux adorer. Alléluia, alléluia. Il y a plusieurs manières de prier. Continue de prier. La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Prie sans cesser. Prie sans arrêt. Prie sans arrêt jusqu'à ce que tu possèdes ta possession. Est-ce que tu es là ce matin? Après avoir prophétisé dans ta propre vie, nous allons rentrer dans quoi? Je vais vous lire un passage et je vais me mettre sur ce passage. Et on va gâter et détruire les projets sataniques de l'esprit de voile noire. Alléluia. Est-ce que vous voyez mon écran? L'écran de ma Bible. La Bible dit, je vais commencer dans le livre de Matthieu, chapitre 27 au verset 50. C'est là que je vais commencer. La Bible dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri. Alléluia. Il poussa de nouveau un grand cri. Et rendit l'esprit. Alléluia. Et la Bible continue et elle dit, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Alléluia. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Je m'arrête là. Ce que je voulais vous montrer, c'est ce mot que j'ai actuellement enveloppé en bleu. Alléluia, alléluia. Le voile du temple se déchira. Est-ce que quelqu'un est là? Dis amen, dis amen. Pendant qu'on est là, il faut partager. Il faut partager, il faut partager. Alléluia, alléluia. Zekabaya Santa. Dis amen. Zibayo Sete. Dieu est là. L'esprit est là pour te libérer. L'esprit est là, l'esprit est là, l'esprit est là pour te libérer. L'esprit est là, l'esprit est là. Alléluia. Merci Éternel Dieu des armées. Nous allons rentrer rapidement. Pendant 10 minutes rapides, je vais vous parler un peu de cet esprit qui fait que, voilà, les choses n'avancent pas. Alléluia. Le voile noir. La référence de la Bible que nous avions utilisée, c'est le livre de Matthieu, chapitre 27, le verset 51. Quelqu'un peut écrire ça? Alléluia. Quelqu'un peut écrire ça en commentaire. Pour d'autres personnes, quand ils vont arriver dessus, ces personnes vont, ces personnes vont voir ça. Voile noir. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Voile noir. Yakaba Yasanta. Qu'est-ce que le voile noir? Zekeboye Sainte. Qu'est-ce que le voile noir? Est-ce que quelqu'un me voit à ce moment? Merci Seigneur. Alors j'ai dit quoi? C'est une couverture mystique que l'ennemi met sur toi pour te bloquer. Le voile noir, une couverture que l'ennemi met sur toi, une couverture mystique noire que l'ennemi met sur toi pour te bloquer. Pour te bloquer l'accès à ce qui est dehors. Et à ce qui est dehors d'avoir accès à toi. C'est-à-dire que tu es bloqué, tu n'as pas accès à ce qui est dehors. Et ce qui est dehors n'a pas accès à toi. Est-ce que tu entends? Par exemple, le mari qui est dehors n'a plus accès à toi. Par exemple, toi tu es dedans ici, mais tu n'as pas accès au boulot qui est dehors. Le voile se met au milieu entre toi et tes biens. Entre toi et ton succès. Entre toi et ta percée. Alléluia. C'est une limite que l'ennemi met sur toi. Une bordure. Un plafond. Ou un mur que tu ne peux jamais affranchir. L'ennemi met un mur autour de toi. Une palissade. Une clôture. Une bordure. Tu es limité. Tu es bloqué. Alléluia. Et ce voile noir t'empêche
d'avancer dans la vie. Faut partager. Faut partager. Ce voile noir t'empêche d'avancer dans la vie. Tout ce que tu fais, ça n'avance pas. Et aujourd'hui, regarde ton âge. Regarde ton âge aujourd'hui. L'âge a avancé. L'âge est allé en avant. Mais toi-même, tu es encore là. L'âge est en train d'avancer. Mais toi-même, tu es encore là. Les amis avec qui tu as commencé, les collègues, les amis de classe, aujourd'hui, ils sont devant. Ils ont réussi leur coup. Ils ont réussi leurs affaires. Ils ont réussi ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont réussi leur foyer. Mais toi, aujourd'hui, tu es encore en train de chercher à t'installer. Tu es encore en train de chercher à être établi. Est-ce que tu m'entends ici? Le voile est noir. Le voile noir est une couverture que le diable utilise pour retarder la vie des gens. Et souvent, ceux-là qui sont retardés ne réalisent pas qu'ils sont retardés parce qu'ils sont sous la couverture du voile. Ils sont vraiment dans un... comment on dit ça? Ils sont confortables dans leur petit secteur. Oui, moi, j'ai le petit truc que j'ai, le petit rien que j'ai dans ma main. En tout cas, Dieu merci, je suis OK. Et ces personnes sont confortables dans leur petit créneau et ils sont là. Et regarde, il y a de grandes choses qui se passent en dehors de ce voile qui te couvre. Est-ce que quelqu'un me regarde ce matin? Alléluia. Il faut partager. Pourquoi tu as arrêté de partager? Il faut partager. Faut partager. Les voiles noires sont souvent lancées par des gens qui sont dans la famille. Les voiles noires descendent de la malédiction de l'autel ancestral. Alléluia. Les voiles noires peuvent être aussi lancées par d'autres personnes. C'est-à-dire les gens qui veulent t'envoûter. De par la jalousie, on peut lancer le voile noir sur ta beauté. On peut lancer le voile noir sur tes diplômes. Alléluia. Connais-tu des gens qui ont des diplômes mais qui ne peuvent pas travailler? Il y a un voile noir sur leur diplôme. Connais-tu des gens qui ils sont belles ou bien beaux, mais qui n'ont pas, ils sont pas mariés, qui ont des bons comportements, mais qui n'ont pas de foyer? Il y a un voile noir qui est là. Connais-tu des gens qui ont tous les papiers, tout ce qu'il faut pour voyager, mais leur voyage ne réussit jamais? Il y a un voile noir qui est là. Alléluia! Ce que nous venons de lire dans la parole de Dieu, la Bible dit qu'il y avait un voile. Quand tu vas lire l'histoire, l'historique de l'affaire, depuis l'Ancien Testament, il y a un voile qui est entre le lieu saint et le lieu très saint dans le temple. Le voile qui est entre le lieu saint et le lieu très saint séparait les gens qui sont au lieu saint ou bien les gens qui sont dans le lieu saint à rentrer dans le lieu très saint. Et si tu es dans le lieu saint, tu ne pouvais pas voir ce qui s'est passé dans le lieu très saint. Le voile était la barrière, le voile était le mur qui était là. Mais quand Jésus est mort, selon le livre de Matthieu chapitre 27 au verset 51, le voile s'est déchiré depuis là-haut jusqu'en bas. C'est un voile qui cachait la gloire de Dieu. C'est un voile qui arrêtait la gloire de Dieu. C'est un voile qui protégeait la gloire de Dieu, qui bloquait l'éclat de la gloire de Dieu. Et cette gloire était dans cette petite prison du lieu très saint. Les voiles qui ont été déposées dans la vie des gens, c'est pour ne pas que l'éclat de leur vie puisse sortir. Les voiles qui ont été déposées dans la vie des gens, c'est pour ne pas que ces gens puissent vraiment expérimenter la faveur de Dieu dans leur vie. Il y a un voile noir dans ta situation. Il y a un voile noir dans ta situation. Est-ce que quelqu'un me regarde ce matin? Il y a un voile noir dans ta situation. Mais il faut un changement. Alléluia. Il faut un changement. Comment détecter le voile noir? Comment savoir qu'il y a un voile noir dans ma situation? Avant de vous donner cette réponse, alléluia, partagez. Partagez. Alléluia. Partage, partage, partage. Il faut partager. Partage et touche les gens. Touche les gens. Partage, partage, s'il te plaît. C'est pour toi-même ton propre bien. Partage. Ça fait part de ta sémence, de tes sémences. Partage jusqu'à ce que vraiment Facebook puisse dire que ouais, tu as trop partagé. Partage. Alléluia. Comment détecter le voile noir?
Voilà. Tu n'as jamais eu de chance. Ça veut dire que toi là, toi, on sait que toi là, tu n'as pas chance. Toi-même, tu es consciente et tu es conscient que tu n'as jamais de chance. Ce qui a réussi pour les autres ne réussit pas pour toi. Ce qui a réussi pour les autres ne marche jamais pour toi. Tu arrives toujours dernier. Je suis en train de donner la liste des choses qui peuvent t'aider à détecter le voile noir dans ta vie ou dans la vie de quelqu'un. Tu arrives toujours en retard dans toutes choses. Tu arrives toujours dernier dans toutes choses. Ce qui prend 3 mois, par exemple, à d'autres personnes, te prend 3 ans. 3 ans au moins. C'est un exemple que je donne. Hein. Ce qui prend au moins 3 ans, 3 mois comme ça, ou bien 1 mois, toi, ça te prend plus de temps. Est-ce que tu m'écoutes? Alléluia, alléluia. Quand on veut sélectionner les gens, on ne te sélectionne jamais. Regarde, quand on était encore petit, on jouait le football. Il y a 2 capitaines qui vont, un va choisir. Il y a toujours un enfant que personne ne choisit. Je ne suis pas en train de dire que le voile était sur la vie de cet enfant, mais je veux dire que c'est un peu comme ça le voile noir se manifeste. Ça dit toi là, on ne te sélectionne jamais. Toi là, tu as dit que toi, ta vie là, c'est une vie de cognement de poteau. Ta vie, c'est toujours vraiment, bah, ça descend. Personne ne te sélectionne. Tes efforts n'ont pas de sens. Personne ne considère tes efforts. Tes efforts n'ont pas de valeur. Bien vrai que tu es en train de faire mieux même que d'autres. Mais toi là, ça dit, ce que tu fais là, personne ne voit. Tu sais pourquoi? Parce que tu es sous le contrôle de ce voile noir. Tu entends le témoignage des autres. Les autres personnes témoignent. Oh, j'ai eu un bébé. Oh, je suis tombé enceinte. Oh, oh, je suis guéri du cancer. Oh, oh, je suis guéri du sida. Oh, oh, je suis guéri de ceci. Oh. Mais toi là, ça dit que ton témoignage ne vient pas. C'est comme si Dieu t'a oublié. J'ai eu certains sur les prières où ces personnes me disaient, mais c'est comme Dieu m'a oublié, il m'a abandonné. Le sentiment, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est comme ça que tu sens souvent. La sensation, mais sentiment. Non, la sensation. Excusez-moi, je ne sais pas quel mot que tu dis là. Mais le feeling. Voilà. Hein? Tu es toujours à peu près. À peu près de ton accomplissement. Ah, il que bon, il y a ça. C'est-à-dire que l'accomplissement est là. Mais toi, non? C'est à peu près que tu vas arriver. Donc, toi, ta vie, là, c'est une vie de à peu près. Tu n'arrives jamais. On va dire toujours de toi que, ah, il restait un peu, elle allait gagner la course. Oh, il restait un peu, elle allait réussir à l'examen. Oh, il restait un peu, elle allait avoir ce boulot. Oh, il restait un peu, il allait avoir ceci. Oh, il restait un peu, il allait voyager. Ta vie, c'est de toujours un peu. Il reste un peu, il reste un peu, il reste un peu. Assez est assez. Tu n'es pas un homme, une femme de un peu. Il faut que l'accomplissement total soit manifesté dans ta vie. Alléluia. Et c'est le voile noir qui fait cela. Il travaille avec l'esprit d'à peu près. Alléluia. L'on ne voit pas ta beauté. Tu mets tous les maquillages, on ne voit pas. Tu ne mets pas maquillage, on ne voit pas. Tu portes les habits mini, on voit rien. Tu portes les robes qui traînent par terre, on voit pas. Ça dit que c'est comme tu es invisible. Les hommes te dépassent. Ou bien les hommes vont commencer à causer avec toi. Mais la causerie, quand elle va commencer à devenir un peu douce, ou tu vas commencer à avoir de l'espoir, pas c'est gâté. Parce qu'ils ne te voient pas. Ils ne te voient pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne voit pas ton éclat. On ne voit pas ton étoile. Tout est noirci. On ne voit pas. On ne voit pas. Alléluia. L'on ne voit pas tes diplômes. Tu vas chercher un boulot. Tu envoies le diplôme. Et puis le plus souvent, souvent même quand tu remarques, on dit on a perdu ton application. Il faut envoyer encore. On a perdu les diplômes que tu as déposés. Va encore. Il faut envoyer encore d'autres copies. Est-ce que tu m'entends? On ne te voit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile qui est appliqué sur ta vie.
les expériences que tu as. Tu es dans un boulot. Toi, tu as plus d'expérience. Tu as plusieurs années d'expérience. Mais la promotion vient, on donne à une autre personne. Toi là, on ne te voit pas, on te dépasse. Est-ce que quelqu'un peut partager la vidéo? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut partager la vidéo? Merci Seigneur. Merci Éternel, Dieu des armées. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'y a personne comme toi. Personne ne peut se égaler à toi. Personne ne peut se égaler à toi. Alléluia. Merci Seigneur. Ça me fait trop mal, hein. Si je pouvais pleurer, je vais le faire en direct ici. Ça me fait mal. Des vies qui ont été mélangées pour rien. Des vies qui ont été mises à la pause. Des vies qui ont été mises à la pause. Alléluia. Je vais continuer parce que l'heure est en train d'avancer. Regarde. Je ne sais pas si tu as remarqué. Écoutez-moi maintenant. Écoutez-moi très bien. Parce que les gens sont relate. Les gens sont habitués aux effets physiques. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Mais les gens comprennent facilement ce qui est physique, ce qui est naturel. Alléluia. Écoutez-moi ici. L'homme qui a, ou bien la femme qui a quoi? Qui a le voile noir dans sa vie. Voilà certaines expériences que je vais te dire. Physiquement parlant, le feu rouge qui est sur la route là, ça dure sur toi. Tu n'as pas remarqué? Hello? Quelqu'un n'a qu'à témoigner. Le feu rouge qui est sur le goudron là, toi, si tu es en train de conduire, ou bien tu es dans un car, ou bien tu es dans une voiture, sur un vélo, sur une moto, quand toi tu arrives là, avant d'arriver au feu, le feu est vert, tu vois ça. Avant que tu n'arrives, le feu change jaune et puis directement rouge. Et quand tu es sur le feu rouge là, ce feu rouge va prendre longtemps. Certaines fois arrivé, non? Le feu rouge va prendre longtemps. Oh Seigneur, faut aider les gens qui regardent actuellement. Alléluia. Et le feu vert dans ta vie ne dure pas. Voilà une expérience naturelle et physique que tu peux faire. À partir d'aujourd'hui là, si tu n'as pas encore fait cette expérience, commence à faire cette expérience là. Le feu rouge dure sur toi. Le feu rouge là, ça est sur toi. Ça veut dire que tu conduis, tu arrives au feu, le feu est rouge. Depuis que tu es là, le feu là, ça ne change pas. Tu entends? Ou bien quand tu viens, feu est vert, tu arrives, toi, quand toi tu arrives net, feu est rouge. Même le feu des piétons pour traverser là, l'homme rouge là, il est là pour toi pour longtemps. Ce sont les petits trucs que tu peux utiliser pour détecter qu'il y a un voile noir, qu'il y a une situation de voile noir dans mon cas. Tu veux encore détecter autre sur le plan naturel, le plan physique. Les animaux n'ont même pas de respect pour toi. Un chien peut uriner sur toi, Un chien peut pisser sur toi. Le chien vient, il se met à côté de ton pied, il se lève, il lève son pied et puis il pisse sur toi. Un oiseau qui est en train de s'envoler peut faire la selle sur toi et ça tombe sur toi, ça verse sur toi ou ça verse sur ta voiture ou ça verse sur ce que tu es en train de faire. Les animaux n'ont pas de respect pour toi. Pourquoi? Le voile est sur toi, donc on ne te voit pas réellement. Le voile est sur toi, donc le feu rouge n'a pas de respect pour toi. Rien ne se fait au hasard sur cette terre. L'on ne voit pas tes efforts. Voilà comment tu peux détecter. Alléluia. Voilà comment tu peux détecter la présence du voile dans ta situation. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Quelqu'un est là ce matin? Fais les partages. Hein? On va commencer à prier. On a presque fini. On va commencer à prier. Je vais voir les commentaires. Alléluia. Zekabaya Santa. Zeboya. Alléluia. Voilà. Fais quoi commencer à partager? Il y a les gens, il y a les enfants. Il y a des gens dont les enfants sont bloqués. Les enfants sont là.
Ils sont rien devenus. Ils ne sont pas en train de devenir quelqu'un. Ça est là. Les gens tournent en rond. Il y a un voile qui est sur la vie des enfants. Lève-toi. Prends autorité. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 10, au verset 19. Il dit, voici, je te donne le pouvoir de détruire les voiles noires. Je te donne le pouvoir de marcher sur l'autorité du diable. Je te donne le pouvoir de cogner et foudroyer le sorcier, la sorcière, l'envoûteur, le féticheur et le marabout qui se lève contre toi. Il dit, écoute, je te donne le pouvoir. Je te donne le pouvoir. Mon Dieu te donne le pouvoir. Et le pouvoir qu'il te donne, personne ne peut te l'arracher. Parce que ce n'est pas des gens qui t'ont donné. C'est Dieu qui t'a donné. Et quand Dieu donne, il ne reprend pas. Il te donne le pouvoir afin de pouvoir terrasser tout ce qui est comme voile noire dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de la famille. Lève-toi comme Déborah. Déborah s'est levée. Elle dit, je me lève. S'il n'y a personne pour se lever, moi, Déborah, je me lève. S'il n'y a personne pour défendre Israël, moi, je me lève. Ce matin, toi, tu vas te lever. Tu vas te lever pour la famille d'Agnogo. Toi, ce matin, tu vas te lever. Tu vas te lever pour ta famille. Tu vas te lever pour ta maison. Tu vas te lever pour tes diplômes. Les diplômes qui ont été couverts par le voile noir. Tu vas te lever pour ton mariage. Les robes de mariage qui ont été couvertes par le voile noir. Tu vas te lever pour ta santé. La santé qui a été couverte par le voile noir. Tu prends autorité. Fire by fire. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Zekabaya Santa. Rende Bobo Yosoto. Je ne suis pas un n'importe qui. Alléluia. Je ne suis pas un n'importe qui. Nous allons prier. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Zekabaya Santa. Randabaya Sendebo. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu es là? Voilà, donc on va prier. On va prier, alléluia. Alors, je vais mettre les sept sujets de prière. Alléluia. Comme je vous ai dit, que nous sommes, on a 51 sujets de prière pour cette semaine. Alléluia. 51 sujets de prière. Du lundi au dimanche. Alléluia, on jeûne tous les jours. Alléluia, ça fait part de notre deuxième semaine de jeûne et prière. Maintenant, nos directeurs sont du lundi au vendredi. Le samedi et le dimanche, toi, tu fais la prière seul. Mais je vais poster toujours ça sur ma page Facebook. La prière que tu vois devant toi actuellement, elle sera postée sur ma page Facebook après. Alléluia, c'est déjà posté même, ça va sortir. Quand on va finir notre programme net, ça va sortir 30 minutes après. Alléluia, alléluia. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, mon père, prends le contrôle. Regarde, répète avec moi, mon père, prends le contrôle de ce moment de prière. Oh, Saint-Esprit, dirige-moi. Je prends autorité dans le nom de Jésus. Je déclare tout arbre maléfique qui soutient le pouvoir de Baal dans la maison de mon père, au nom de Jésus-Christ, je déracine ces arbres. Alléluia. Prière numéro 2. Toute rivière qui arrose le pouvoir de Baal dans ma famille soit asséchée maintenant même par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis la source de nourriture qui alimente tout pouvoir des idoles de la maison de mon père par le feu de Dieu. J'éteins le feu qui réchauffe tout pouvoir des idoles de la maison de mon père. Est-ce que vous voyez? Les esprits de Baal, alléluia, les autels ancestraux sont à la base. C'est cela qui donne naissance aux esprits de voile noire. Voilà pourquoi nous allons à la base, à la source, pour briser et détruire dans le nom de Jésus-Christ. Je me sépare de toute lignée de sang familial qui adore les idoles de la maison de mon père. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est là?
Zekabaya sada babaya sada. Rendebo yo soti kabaya sada. Jende bobo kosi kabara da bayasa. Rende bebebe yesi da kabaya sada. Merci éternel Dieu des armées. Merci roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Alléluia, alléluia. Je me sépare de toute lignée de sang familial qui adore les idoles de la maison de mon père et je la ferme par le sang de Jésus. Ma postérité n'adorera jamais Baal, mais le vrai et unique Dieu au nom de Jésus. Je lève un autel à l'Éternel des armées, créateur des cieux et de la terre, dans la maison de mon père au nom de Jésus. Par le sang de l'agneau, je neutralise tous les sacrifices et les rituels qui ont été offerts à Baal par la maison de mon père. Et je les rends nuls et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un est là ce matin? Rakabaya Santa. Rendebo, 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 rendebo. Alléluia, allez, continue de prier. Tu as fait cette prière-là, continue de prier, continue de prier, continue de prier, continue, 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 continue. Pré, 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 pré. Zakabaya sade bobo, riyanabaya sada. Continue de prier, continue de prier, continue de prier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci éternel Dieu des armées. Regarde, il nous reste pas, il nous reste même plus de temps même. Alléluia, le temps est arrivé. Zakabaya sade bobo yasada. Alors, donc, je vais demander la permission dans le nom de Jésus. Alléluia. Zeka Baya Sanda. Je vais demander la permission. On va aller vers la fin de nos programmes. Alléluia, alléluia. Zeka Baya Sanda. On va aller vers la fin de nos programmes. Merci, éternel Dieu des armées. Alléluia. Donc, voilà ce qui se passe ce soir. Qu'est-ce qui va se passer? Ce soir, on aura des témoignages. Alléluia. On aura des témoignages. Alléluia. Regarde, la Bible dit dans le livre de, je crois bien, Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Alléluia. La Bible dit qu'on les a vaincus par la parole de nos témoignages et par le sang de l'agneau. Alléluia. Les témoignages que nous rendons sont très puissants, sont très, très forts. Quand tu rends un témoignage, Dieu multiplie cela et tu as encore un nouveau témoignage. Et le témoignage que tu as rendu aussi va aider d'autres personnes. Alléluia. Donc, voilà pourquoi c'est important que nous puissions rendre les témoignages. Alors ce soir, sur notre liste de témoignages, il y aura, je crois, 3 à 4 femmes qui sont tombées enceintes. Qui cherchait vraiment à tomber enceinte et c'était difficile. Il y a une femme qui était dans le besoin, elle était vraiment dans le besoin il y a 8 ans. Elle voulait tomber enceinte, ça ne marchait pas. Il y a d'autres qui ont 3 ans, elles ont entendu, ça ne marche pas. Il y a d'autres dont leurs règles étaient coupées et puis bon, du coup, par la prière, Dieu s'est manifesté. Ce soir, on va écouter leur témoignage vocal dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je ferai tout pour masquer le nom de ces personnes et masquer leur identité pour que les gens soient... C'est-à-dire qu'il faut, que, il faut qu'on respecte la privacy, comment on dit ça en français? Privacy, il faut qu'on respecte les trucs privés des gens. Voilà. Alléluia. Donc ce soir, on aura ces témoignages et on aura aussi d'autres témoignages pour ajouter. Et après cela, on va prier... Et on va prier et on va prier pour que ceux qui sont dans le besoin de tels témoignages, que ces personnes soient localisées par mon Dieu que je sers dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, je t'invite ce soir, c'est à 20h. Il ne faut pas rater. Les gens ont commencé à se relaxer par rapport au programme de mercredi soir. Non, il ne faut pas te relaxer. Ça continue, c'est le même programme. Ça continue ce soir. Viens, on va prier. On va prier. On va faire le témoignage, on va faire des prophéties et on va recevoir leur délivrance. Alléluia, alléluia. Alors, je vous aime beaucoup. Vraiment, je vais vous laisser. Alléluia, que la gloire de l'Éternel se manifeste dans votre vie. Et que votre nom, les gens commencent à même avoir peur de votre nom parce qu'au de la main de Dieu qui se manifestera dans votre vie. Alléluia! Alléluia! Il y a une photo que j'ai mise sur ma page. Alléluia! Et la photo, les gens se cachaient derrière une porte pour voir le succès de quelqu'un.
pour voir comment que la personne vraiment est en train de faire. Alléluia. C'est, ça dit que les gens qu'ils sont en train de regarder là, c'est toi. C'est toi. Alléluia. Quand ils vont se cacher derrière les arbres pour voir comment est-ce que Dieu est en train de t'élever. Après avoir lancé des flèches sur toute la nuit, après avoir lancé des javelots contre toi toute la nuit, le matin, ils voient que tu es encore en forme, tu es encore sur tes pieds, tu es encore forte. Et ils seront étonnés de voir la gloire de Dieu dans tes affaires. Alléluia. Ton témoignage va bouleverser ta génération. Reçois quelqu'un, je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia, donnez-moi quelques minutes encore. Alléluia. Ton témoignage, Beugré, Daniel, ton témoignage va bouleverser le monde entier. Maïmouna Kone, ton témoignage va bouleverser le monde entier. Katusha, ton témoignage va bouleverser le monde entier. Alléluia, alléluia. Ceux qui me regardent actuellement, si je n'ai pas dit ton nom, vraiment, tu me pardonnes. Alléluia, Dieu te voit et Dieu t'a localisé. Les sujets de prière que vous avez envoyés sur le WhatsApp, alléluia, comme je vous le dis, je les imprime. Regarde, mon WhatsApp est aussi sur l'ordinateur. Donc, je les imprime et je les mets sur ma table, sur mon hôtel de prière. Je prie sur ces WhatsApp, sur ces demandes de prière. Si je ne vous ai pas encore personnellement et individuellement répondu, ne vous inquiétez pas. De toute façon, ce n'est pas à moi que vous avez envoyé le sujet de prière. C'est à Dieu. Et lui, il est omniscient. Il voit tout, il connaît tout. Alléluia. Donc, il suffit que vous envoyez le sujet de prière. C'est fini. Le reste là, Dieu s'occupe de ça. Donc, si je ne vous ai pas encore répondu personnellement et individuellement, c'est parce que j'ai à peu près 1000 messages que je suis en train d'aller à travers un peu pour pouvoir répondre pour pouvoir répondre à tout le monde. Alléluia. Et le jeune est là aussi. Et puis je vais aussi travailler. Alléluia, alléluia. Donc je continue de prier pour vous et continuez d'envoyer vraiment vos demandes de prière. Alors, une dernière demande que je vais vous demander, c'est quoi? Envoyez vos témoignages. Ceux qui ont des témoignages actuellement, envoyez-les moi par vocal et aussi par écrit. Donc, tu écris ton témoignage, tu fais un petit résumé de ton témoignage, mais tu m'envoies le vocal de tout le témoignage. Fais tout pour m'envoyer ça aujourd'hui. Ne mets pas ton nom dedans, à moins que tu veux que ton nom figure dedans. Mais sinon, ne mets pas ton nom dedans et on va essayer de voir si ça peut aider des gens. Alléluia, alléluia. Que la grâce de Dieu te localise. La grâce de Dieu localise Florence Doua, Denise Ekissi, Louis Adam, the favor of God upon your shoulder. Alléluia. Faustine Jelou, in the mighty name of Jesus, reçois la paix de Dieu. André Laure, reçois la percée. Miss Beraka, que ton témoignage arrive à son accomplissement dans le nom puissant de Jésus. New arrivage, je te protège du sang de Jésus. Je protège ta vie du sang de Jésus-Christ. Et toutes les flèches enflammées du diable ne pourra jamais avoir effet dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. À moins, Nadège, dans le nom de Jésus, la joie de Dieu te localise là où tu es. Rosine Adja, reçois la percée de l'Éternel, Dieu des armées. Ceux qui se levaient contre toi tombent sous ton pouvoir, au nom de Jésus-Christ. Daniel Begré, le feu de l'agneau, alléluia, le feu, et la lise est bleue. Ta prière a été répondue. Dis, tu es couvert du sang de Jésus-Christ, ta prière a été répondue. Dieu me dit de te dire que ta prière a été répondue. Je vois une belle maison qui vient vers toi, un déménagement qui sera vraiment bon, une belle maison qui vient vers toi. Alléluia, Didi, ton témoignage arrive. Alléluia, alléluia. Merci Éternel Dieu des armées. Léa, tu es béni. Léa Edwige, tu es béni. Louis Adam, tu es béni. You are blessed. Espoir ZV, la grâce de Dieu dans ta
situation. La grâce de Dieu est dans ta situation. En ta Mireille, que les portes qui avaient été fermées s'ouvrent ce matin au nom de Jésus-Christ. Melchisedec, Melchisedec, reçois la percée. Mokadi, Mokadi, Mokadi aimé, reçois ton témoignage aujourd'hui dans le nom de Jésus. Alphonsine Ziga, la faveur de Dieu, la gloire de Dieu est devant toi. Ton étoile va briller encore. Alléluia. Ceux qui me regardent ce matin, celles qui me regardent ce matin, je ôte le voile noir. Dis avec moi, il faut écrire cela. Le voile noir, je te ôte de ma vie. Sois déchiré de ma vie. Voile noir qui me bloquait. Voile noir qui me bloquait. Sois ôté de ma vie. Dans le nom puissant de Jésus, je te ôte ce matin. Je t'enlève de ma vie. Voile noir, le feu de Dieu est contre toi. Voile noir, je te consume par le feu de Dieu. Voile noir, tu t'en vas, tu ne reviens jamais. Tu as couvert mes années. Mes années ont été perdues par la couverture du voile noir. Mais ma vie a été perdue par la couverture du voile noir. Ma famille a été perdue par la couverture du voile noir. Toi, voile noir qui bloque mes diplômes. Toi, voile noir qui bloque mon mariage. Toi, voile noir qui bloque mon enfantement. Toi, voile noir qui bloque ma santé. Toi, voile noir qui bloque ma promotion, qui bloque mon voyage. Je prends autorité. Pendant que je frappe les mains, pendant que je frappe les pieds, reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Est-ce que quelqu'un peut partager notre vidéo? Alléluia. Si tu es fatigué, tu peux partir. Il n'y a pas de problème. Mais là, je vais vraiment prier pour des gens. Je vais prier pour les gens. Je vais encore quelques minutes. Je vais prier pour les gens. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rakabaya sandebobo yosodo. Randebo, 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 randebo. Alléluia, alléluia. Zekabaya sanda. Rendeboko sika baba. Randebo riyanabaya sende. In the mighty name of Jesus Christ. Éternel Dieu des armées. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu de paix et de bonté. Il n'y a personne comme toi. Personne ne peut s'égaler à toi. Personne ne peut se mesurer à toi. Alléluia, alléluia. Zekabaya santa. Renteke boya sika boba yose. Randa baranabaya santa. Quelqu'un n'a qu'à recevoir son témoignage. Toi dont le témoignage a été bloqué. Et puis voilà. Rien de bon se passe dans ta vie. Tu pries, tu fais tout, mais il n'y a vraiment rien que tu peux montrer. Dans le nom de Jésus, reçois ton témoignage. Reçois ton témoignage. Reçois ton témoignage. Maintenant même. Maintenant même. Rakabaya sanda. Rendebobo yosoto. Ridabayo sekababaya sandebe. Ratekeria nabaya sanda. Randebo, 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 randebo. In the mighty name of Jesus Christ. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Alléluia. Alors, je vais vous laisser. Je vais vous laisser parce que là, il faut que je parte. On se revoit tout à l'heure. Ce soir, invite les gens. Viens avec les gens. Viens avec les gens dans le nom puissant de Jésus. Je vous aime beaucoup. Allez, on est toujours ensemble. Rakebo Yesikaba. Merci Seigneur, merci Seigneur. Allez, on a fini. Donc, je vais vous laisser. Je vais partir. Je vous aime. Je ne vais même pas partir même. Alléluia. Voilà, voile noir, tu es déchiré. Au revoir, au revoir. Je vous salue. Allez, on a fini. Bye bye, everyone. Come on, vous pouvez partir maintenant. Au revoir, au revoir. Au revoir, vous pouvez commencer à partir. Partir, partir. Allez, soyez bénis. Allez, soyez bénis, soyez bénis. Sur toi. Nous ne servons pas un Dieu mort, nous servons un Dieu vivant, un Dieu de la délivrance, un Dieu de la restauration, un Dieu de la guérison. Reçois ta percée en ce moment au nom puissant de Jésus. Fire, fire, fire. Yes, we don't serve a dead God. We serve a mighty God who is the same yesterday, today, and forever. Let the favor of God locate you where you are right now in the mighty name of Jesus Christ.